c'est pas vraiment un snow, mais en plus en ayant une espèce de planche. Ça fait vraiment penser à ça, mais je pense que le gars il s'est vraiment inspiré. Parce que perso, je vois vraiment pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ça, parce que c'est exactement ça. Ok, là je sais pas si ça me sert à rien. Je pense que le crâne de Mumbo est à gauche. Non, 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 non. Non, 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 pas comme ça. Pas comme ça. Non, ça, ça, je veux pas. Réussi, réussi, réussi. Non, 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 non. Bon, ok, on tombe. T'es pas prêt? Comment ça, je suis pas prêt, gros gars? Est-ce que là, je suis vraiment mort et j'ai perdu tout le long? Non, je pense que j'ai pas perdu au complet. Chou, non. Ah! Et oui, j'étais pas prêt finalement. Maintenant, est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Et n'importe quelle éventualité. Ah, sauf peut-être les oiseaux qui sortent de là. Ça, non, je les aime pas. Mais salut, salut, j'espère que tu vas bien. C'est mardi. Dans ma tête, à chaque fois, je me dis genre qu'on est genre vendredi, mais au final, on est juste mardi. Ça s'en vient, non, 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 faut pas que ça s'en vient trop. Sinon, je suis pas prêt. Oui, je vais bien. Je vais bien aussi. Ça va, assez relax de toute façon, on est juste mardi, puis bientôt la moitié de la semaine, c'est comme ça qu'il faut le voir. J'ai repris, je sais pas si tu connais assez bien Banjo-Kazooie, mais tu peux voir que c'est pas exactement Banjo-Kazooie. C'est Banjo-Kazooie, mais sans Banjo-Kazooie. Comme ça qu'il faut que tu le vois. En gros, c'est une acrome tout simplement, puis c'est dans le monde de Ocarina of Time. Le gars, vraiment, le gars, il a vraiment fait une job de fou. Vraiment là-dessus, comme tu peux voir, c'est, je suis dans le domaine de Zora. Si t'as joué à Ocarina of Time, puis t'as joué à... Quoi? C'est pas une vraie. Est-ce que je peux faire quand même le saut ici? Oui. Pas très très utile, mais bon. Mais c'est ça, si t'as joué à Ocarina of Time, puis t'as joué à... Ah ouais! Un raid de 14! De 17 quand même! C'est gentil, merci Caro! Et là, je viens de comprendre pourquoi gros gars, il disait que j'étais pas prêt. Full de love! Et vous êtes vraiment gentil là-dessus, c'est super gentil. Genre, j'étais genre, what the fuck, ça fait un bout, ça fait ce... Attends, ça fait pas ce bout-là? Dans le temps, non, exactement, c'est pas ce bout-là. Full de love! Vous êtes vraiment gentil là-dessus. J'espère que vous avez eu un bon stream de votre côté là-dessus, puis Caro, que t'as passé un bon moment aussi sur ton stream. C'est quoi vous avez fait de spécial? Oui, exactement, là, je suis pas prêt. Merci Nick du follow, c'est gentil. Du diamond painting, c'est pas quoi exactement? J'ai vu ça dans le... j'avais vu vite fait que t'avais écrit que tu faisais du diamond painting, mais je suis quand même curieux. T'enverras une photo sur un des Discord, à moins que tu l'aies déjà fait tout ça, mais j'irai voir là-dessus, je suis vraiment curieux là-dessus. Salut, en même temps, je veux dire à tout le monde, ok, donc vite fait. Salut Akali, salut Whatweer, j'ai tout le temps, Whatweer, j'ai tout le temps la difficulté à le dire. Dreamer aussi, allô, et Caro aussi, et voilà, voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes, mais je pense que tranquillement pas vite, vu que j'ai le chat en restricted un follow. Il y a certaines personnes qui vont le marquer au fur et à mesure. Merci Caro, tu follow, c'est gentil. Mais comme vous pouvez voir, si vous connaissez vraiment pas, genre Banjo-Kazooie, et vous connaissez pas Ocarina of Time, ça manque déjà votre culture des gens partant. Mais sinon, à part de ça, je vous conseillerais vraiment, si vous êtes intéressé à ces deux jeux, puis vous êtes vraiment fan étant plus jeune, je vous dis, c'est vraiment cool à faire. Oui, plein plein de love. En plus, c'est une journée de merde que j'ai eu aujourd'hui, fait que ça me fait vraiment du bien de pouvoir juste faire un stream là-dessus. Faudrait que j'enlève le follow only, je pense que je l'avais mis, je me souviens plus exactement pourquoi. Mais je l'avais mis juste pour que ça soit juste plus simple là-dessus. Et oui, il faut être heureux, exactement. C'est tout le temps comme ça. Oh, attends, il y a de la TNT ici. Pourquoi les jeux sont fusionnés ensemble? Mais c'est juste, pourquoi pas? En gros, c'est juste que c'est... Ah, merde. C'est juste qu'un gars, il s'est dit, pourquoi pas, j'aime les deux jeux ensemble et tout ça. Puis il a créé une espèce de gros sacrum vraiment complet là-dessus. Et en gros, bah... juste changer la caméra. En plus, c'est Jabu Jabu qu'il va falloir que je rentre à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur de Jabu Jabu. Mais non, c'est ça exactement. C'est le gars, il s'est juste dit, bah, j'aime Banjo, j'aime Ocarina of Time. Je fais un mix des deux. Et vraiment, sa job, je pense que... Je me souviens plus exactement c'est combien de temps qu'il a pris, mais ça fait un bon bout de temps que je le suis sur les réseaux et tout ça. Puis je pense que c'est facilement peut-être 3-4 ans de vraiment faire tout au complet. Et vraiment, la job qu'il a faite, c'est insane. Sérieusement, moi, je trouve ça insane. Vraiment, les gens qui font de la chrome et qui s'amusent à genre mettre une passion sur différents jeux et tout ça pour créer quelque chose. C'est vraiment cool parce qu'en même temps, ça fait découvrir des jeux
Comme par exemple Banjo-Kazooie, c'est mon enfance, c'est Banjo-Kazooie, puis en plus de jouer dans un mix de Ocarina of Time, je trouve ça vraiment cool. Commencer une journée de merde, c'est ma job. En gros, je suis journée de merde, ça n'a pas été si une journée de merde que ça. Mais en gros, c'est juste que j'avais beaucoup de choses à faire et tout ça, puis ça a été chargé quand même, puis j'ai encore beaucoup de choses à faire demain, mais bon. Il fait beau, il fait chaud, il faut le voir comme ça, il y a de la pluie plus tard, mais... Voilà, voilà. Faut y aller avec le principe qu'il fait beau. Ouais, exactement, c'est vraiment d'avoir mixé les deux et tout ça, puis surtout de comme, tu sais, en même temps d'avoir mixé les deux, tu sais, comme par exemple dans le jeu de base de Ocarina of Time, c'est pas un arbre qui sort de nulle part, tu sais, il y en a un petit. Mais y'en a pas un aussi grand et tout ça, pis d'avoir, comme tu dis, mixé les deux univers et tout ça, pis de l'avoir fait, je trouve ça vraiment cool. En même temps, ça met du défi en même temps de rejouer. J'en mets tant de défi, s'il te plaît, tombe pas trop bas, merci. Ça donne du défi, comme tu dis, pis c'est vraiment cool, en plus de découvrir, pis en même temps, il met plein de easter eggs à l'intérieur. On va essayer d'en voir quelques-uns, y'en avait un tantôt, c'était F-Zero qui était dessus. Puis il met beaucoup de petites cartouches de Nintendo 64 de différents jeux de Nintendo 64, puis il faut vraiment les voir. Fait qu'il y a plein de easter eggs, le gars il est vraiment passionné, puis ça sent. Et moi qui tombe dans le vide, c'est encore pas mieux, mais ça va bien. Oui, exactement, il utilise un peu des deux parce que je pense que, tu sais, il utilise toute la mécanique. En gros, il y a beaucoup de gens qui font ça dans ce principe-là. Si vous connaissez pas en tant que tel, c'est de la hack-rom. Il y en a beaucoup qui le font avec. Je vais y arriver juste à tirer là-dessus. Il y en a beaucoup qui le font avec Super Mario 64. C'est vraiment comme l'icône des hack-rom. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés et tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui après qui s'amusent à faire des crossovers et tout ça. Fait que ça reste vraiment cool. Moi, perso, je trouve ça vraiment bien. Ah, en ce moment, je m'étonne quand même d'être capable de lire le chat et surtout de monter un arbre. Je pense que c'est vraiment ça, à date, le défi que je me donne. C'est de monter l'arbre sans tomber, ou du moins de réatterrir et de réussir à lire en même temps. Mais c'est de la pratique, on va dire ça comme ça. C'est ou du skill, mais je vais rester quand même humble de moi-même en me disant que c'est pas du skill. Donc on a trouvé un Jinjo, j'ai vraiment pas porté attention, mais il va falloir que je trouve les autres. Est-ce qu'on va tout de suite dans... Ah, attends, on va aller ici. Ici, c'était une des fontaines de fées qui était à l'intérieur, ici. Donc, on va aller à l'intérieur, on va voir c'est quoi. Donc, ça va être probablement une autre fontaine de fées. Je sais pas si on va avoir un power-up ou si on va voir quelque chose en particulier. C'est un mystère. Et finalement, c'est même pas la caverne des fées. Non, mais là, je vais pouvoir rembourser. C'est vraiment... Ok, non. Pendant deux secondes, c'est comme... Ok, c'est toute une nouvelle zone, mais... Non, c'est exactement la même. C'est juste que t'es un peu plus haut. Mais ça, fallait pas le dire. C'est juste moi qui est un peu fou que j'ai pas vu. Oh! Attends. Hop! Allez, salut! Non, arrête les abeilles. Les abeilles, merci, laisse-moi tranquille. Merci! Oh, ça fait chier les abeilles, ça va? Laisse-moi tranquille! Ok. Ok, en plus, c'est. Non, mais. Ok, en plus, j'ai du temps. Non, mais. Est-ce que je peux juste avoir la paix pendant deux secondes, s'il vous plaît? Merci. Bon vélo, Dreamer. Profite bien de la journée. Pendant que moi j'essaie d'activer le truc. Mais profite bien de la journée, il fait super beau à l'extérieur et tout ça. Puis on se revoit pour un autre stream, c'est sûr et certain. Ah, il y avait un easter egg en dessous. Attends, on va essayer de le reprendre après. Attends, je peux pas activer le truc en dessous. Juste voir le petit easter egg qui est en dessous. Salut Ministood! Ça fait super longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps Ministood. Ça c'est Killer Instinct. C'est ça, hein, je pense. Good, bon appétit Kali là-dessus. C'est ça exactement, c'est Killer Instinct. Donc il y a plusieurs, comme je dis, cartouches qui sont à l'intérieur de la chrome qui mettent à l'intérieur et tout ça. Puis je trouve ça vraiment cool là-dessus de vraiment mettre des easter eggs. Vraiment chercher le mot en tant que tel. Je reste qu'en arrière-plan, ça me fait plaisir de pouvoir repasser du coup. Mais c'est cool là-dessus, mais vraiment merci d'être passé dans les studios. Puis, c'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. Non. Je vais juste pas mourir ici. Mais c'est vraiment cool de mettre des easter eggs vraiment dans ce principe-là, de pas. De mettre plutôt des. Comment je pourrais dire. De mettre des petits easter eggs. Voilà, le mot, puis finalement il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est juste au principe que c'est cool d'en mettre, puis c'est là que tu vois que le gars est passionné. Et là, je veux vraiment essayer de comprendre comment je vais faire pour me rendre en haut.
Mais j'ai vraiment aucune idée. Puis en plus, si tu vois les gens qui ont joué aussi à Banjo-Kazooie, il a retexturé aussi les ennemis pour les mettre d'une autre couleur et tout ça. Donc, non, il a fait une job de fou. Peux-tu? Attends. Techniquement, il y a le pont qui est ici. J'ai peut-être le temps de traverser. Attends, on va essayer de le faire sans les... C'est peut-être moi qui se casse la tête d'essayer de le faire avec les... avec les chaussures pour aller plus vite, mais c'est, j'ai peut-être vraiment pas besoin, finalement. Là, je suis en train tellement de m'écarter dans tout le niveau grand complet parce que je veux récupérer toutes les choses à 100%. Et je suis en train tellement de me promener partout dans le niveau que je pense que je vais manquer des notes. Partout. C'est sûr et certain. Encore une fois, merci vraiment pour le raid. C'est vraiment cool là-dessus, de votre part. C'est... j'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde qui arrive en même temps qui spam. Je me sens guillemets. Mais vraiment, vous êtes vraiment sympathique, puis c'est vraiment cool là-dessus. J'espère que vous passez un bon temps aussi, puis que vous passez une belle journée. Comme Gros Gars dit, il fait beau aujourd'hui, profitons-en parce qu'il fait beau. Je dis style, ça se dit pas. Style surtout en étant en train de streamer et n'étant pas dehors. Mais bon, chose qui arrive, j'ai quand même profité de la journée quand même à l'extérieur, tout ça, puis j'en profiter de rien. Je me trouve des excuses de merde au lieu de dire genre, ouais, je veux pas aller dehors, c'est tout ça. Je peux l'exploser comme ça, parfait. Il y a une porte qui est ici. Je sais pas qu'est-ce qui serait de l'autre côté. Oh. Ici. Il y a un autre truc de TNT hein, juste à côté. Mais sinon, c'est bien, Minisoot, que tu viens de faire un petit tour et tout ça. Puis en plus, je sais pas si t'avais suivi un peu le let's play sur la chaîne.